Qu'est-ce qui nous arrive? Où je suis. Bon, ok. Donc le C4, le Blasting Cop et de l'herbe. Bon, saving, start a new day. Je vais également sauvegarder de façon lourde. Ouais, j'appelle ça sauvegarde lourde. Moi. Bon, question. J'ai mes armes. Merci les mecs. Merci les mecs. Triclock, ok d'accord. Bon, y a rien dans ma cellule là. Oh la vache, c'est... Oh, oh, ces tapis sont de toute splendeur. Hein. Oh mon dieu. Oh la gueule d'Al-Qaïda. C'est vrai qu'on avait carrément démonté leur organisation à la fin du 1. On leur a envoyé des missiles sur la gueule et l'armée s'est retournée contre nous inexplicablement. Bon. Ah, elle a un smiley sur le... Ok, tout va bien. Bon, alors, j'anticipe. Il y en a un qui va faire péter ça et qui va arriver derrière, arriver à un moment. N'importe quoi. Question. Les zombies, ils disent rien si on les... Si on les bute ou... Bon, ils ont pas leur arme, mais de toute façon.
M'en douter. Je sais pas pourquoi je m'en doutais. Ah, la visite. Qu'est-ce qu'il y a, Cain? Oui, c'est ma chatte. Je... Bon bah ils m'ont l'air bien inoffensifs. On va laisser vivre les survivants. Je suis fou de vie. Bon, par où on sort? Quelque chose me dit que c'est par là. Je suis ces tunnels, je sais pas où les guirlandes, je sais pas en fait. Ok. Peut-être plutôt par là alors. Exact, d'accord, ok, j'étais juste à côté. Bon. Ok. L'avantage, c'est que ça one shot les mecs en armure jaune. Parce qu'ils étaient putain de résistants les salauds. Ok, on reconnaît, hein. On sait où on est. On est dans le complexe qu'on n'avait pas pu visiter au 1 parce que c'était vraiment... vraiment... surchargé. Alors, j'aimerais bien retourner au Fire in the Hall pour essayer deux trucs. Alors si je dis pas de bêtises, de toute façon c'est sur notre route. Ouais, c'est sur notre route, j'espère juste que c'est pas fermé. Ah d'accord, ok, en fait le truc de... Le trou de l'enfer est à la place de notre caravane. Ok. Why not? Mec, j'ai besoin de vos armes. Bon, alors ça c'est un flic. Bon, alors, ce que je voulais essayer... Ok, donc ça, ça marche pas. Et deuxième chose que je voulais essayer... Pour le lol... Mother never loved me. Oh putain, il s'est suicidé le mec. Bon. Voilà. Ok. Bon, je voulais juste essayer s'il n'y avait pas des easter eggs là qui étaient planqués. Le mec s'est suicidé quoi.
Oh putain. Fire and Zone. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah oui, c'était le... Non, je me souviens plus. C'est pas le truc où il y avait les... Non, c'est... Bon, allez, hop. Ah oui, c'est... Oui, c'était l'ancienne salle de jeu. Il y avait rien ici. Ok. Alors, juste une question. Maintenant qu'il y a pas mal de morts, est-ce que j'ai des trucs à récupérer? Non, pas du tout. That's the ticket. Bon, on va continuer un petit peu. Alors, on doit passer par le... Donc, on va aller récupérer le Blasting Carp. Avant toute chose, on va commencer par ça. Voilà, on va commencer. Vote. Ah oui, le truc des votes. Puis il y avait des trucs à récupérer ici à la base. Ok, ouais. Du pognon, des armes. Ok, allez, voilà. Ça c'est nickel. Je récupère ça aussi. Ah oui, c'est vrai, je peux balancer le... Je peux également balancer le truc. Allez, on y va. On y va, on y va. Damn sheriff. I shot the sheriff. Ah bon mari. Damn snowed in. I bet I can find an alternate entrance though. Il me semblait avoir vu un papillon de nuit. Ouais, c'est ça, j'ai un papillon de nuit là-haut. Ok, d'accord. Oh. Oh. Hello, and what do you want? Ah, you wouldn't happen to have any blasting caps for me if you say so. Ok. Too easy. Ce papillon de nuit va m'énerver. Et puis les chats, sont en train de courir après, il est dans le lustre le truc. Non, non, non. Blocky, non, Rookie, non, non. Oula, ok, il y a une cinématique, je l'ai pas vu. My brethren. We've finally been called back to the surface. It's now time for us to cleanse the world of all post-apocalyptic abominations and reclaim what is ours. Excusez-moi, petite coupure parce que problème papillon de nuit et chat là. J'ai un chat qui est prêt à sauter sur le lustre. Bon, les chats sont toujours à l'affût, je ne sais pas où est passé le papillon de nuit. Donc, ah c'est ennuyeux. Mais... Genre quoi, les mecs ils veulent me goder le... Pardon. Bah écoutez,
Voilà. Les mecs sont corps à corps? Moi aussi. Mais j'ai vraiment besoin de faire ça. Je peux pas simplement repartir par où je suis venu. Ça me paraît tellement plus simple. Eh non, évidemment. Le chemin n'est plus empruntable. Ça aurait été trop beau. Donc on est parti pour se zapper des... Oh, comment vous voulez pas être vulgaire dans le jeu, sérieux? Mais comment ça se fait? Le chien est increvable! Oh non, je dois me retaper ça. Bon, il n'y en a pas pour longtemps. Damn, Snowdead. I bet I can find an alternate entrance though. Ah, j'ai pu passer à la cinématique, tiens. Genre, en fait, non, j'ai moi-même, en fait, un god et tout ce qu'il faut. Ok.
Attendez. Bon, mais j'ai pas compris, les chiens m'ont... Ah, putain, non, non! J'ai sauté, faut pas sauter. Ouais non. Tu m'en fous de notre gueule. Guns don't kill people, I do. Bon. Par contre, on peut changer à volonté visiblement. Bon, ça peut être cool. J'ai l'impression que comme ça au moins on nous repère pas. Enfin, presque pas. Ok, donc nous nous retrouvons. Mon disque dur a saturé, donc nous nous retrouvons le lendemain ou 2 jours après. Peut-être 2 jours après. Il me semble que j'ai tourné il y a 2 jours. Voilà, alors je suis... Tiens, je suis d'ailleurs en tenue de cuir, ce qui n'est pas normal. Ok, d'accord, petit bug du jeu dès le départ. Alors, oui, alors, on s'est interrompu en plein milieu de combat, j'en suis désolé. Le disque dur a saturé, hein, bêtement. Et donc on se retrouve, à un endroit où on n'avait jamais exploré, je vous montre sur la map. Voilà, hein, on est en direction du C4. Ce qui est chiant... Parce qu'on doit, on devra retraverser toute la map. On verra par où on passe. Si on passe par l'asile. Asile, food. Ah, on verra bien. On verra bien par où on repasse après. À l'occasion, on va être TP quelque part. On ne sait jamais. Donc, nous. Ok. Ça va, la belle ville, barbecue et tout. Jeez, these doomsday survivalist guys look pretty serious. Well, maybe I can swipe some of that C4 without causing too much of a fuss. Hey, did you see that show on TV last night with the people and the funny thing that happens? Yeah, I saw everything. What the? Hey, it's you. Bon. On va mettre nos vêtements normaux. Hein. So much for that quiet approach. Bon, ça par contre, ça a rapidement tanné. Bon, en fin de compte, c'est... Pas rapide, c'est ça quand même. Oh, non, alors ça par contre, ça va être rapidement écœurant.
seul truc qu'on ait, c'est des pipa crack pour ce heal. Facile. Il suffit de se glisser dans les tentes. Ouais, bon. Je sais plus si je suis sous l'influence d'une pipe à crack, alors on va attendre un petit peu avant de prendre ça. Bon, ça je suis full, ça aussi. Bon, j'en ai trois, hop. That's the stuff. Ok, ça j'ai déjà. C'est beaucoup plus calme depuis que le truc s'est arrêté quand même. Aurais-je buté tout le monde ou... TF1 dans ce cas. Je suis full vie, j'ai détruit une grosse partie de régiment. Je pense que je peux... Non, il y a d'autres ici, c'est obligé. M'en douter. On va l'attendre. Allez, viens là. On l'attend tous. Quand il est là-bas, il m'a vu. Ok. You suppose this is covered by the Second Amendment? Bon. Mais d'où il sort? Un point de spawn ou... D'accord, ils viennent d'en bas en fait, non? Non, c'est de là d'où je viens. Merde. Quel con. Non, c'est pas d'où je viens. Désolé pour le coup de souris, j'étais un peu surpris. Toujours pas la bonne tente. Oh, c'est mignon. J'avance doucement, prudemment.
Ok, c'était le feu. Donc apparemment, par contre, notre démon intérieur s'est... s'est extériorisé. C'est con à dire. C'est complètement con à dire ce que je viens de dire. Ouais, notre démon intérieur s'est extériorisé. Ouais. Oh, voilà quoi. Brainfuck. D'ailleurs, en parlant de brainfuck, j'ai un petit projet pour ma chaîne YouTube qui devrait plaire à beaucoup de personnes, je pense. Mais ça, c'est une petite surprise et ce n'est pas le sujet de cette vidéo actuelle. Donc, mais on en reparlera. Sinon, en parlant de brainfuck également, je vous conseille, c'est une amie qui m'a parlé de ça, les langages brainfuck, ce sont des langages informatiques qui vous détruisent le cerveau, hein. C'est clairement, vous pouvez jeter un œil à ça. Non. Oh, une autre poupée gonflable. Bonjour madame. Enfin non, pas madame, poupée gonflable. Quoi. Bon. Toujours pas ce que je veux. Je suis quasiment full vie, donc pas d'intérêt. Par là, qu'y a-t-il? Bon, on va rester sur le même niveau. Et on va descendre plus bas après. J'ai l'impression qu'on est dans l'ancienne forêt de sapin. Même pas le temps de réagir, mec. Ok, donc ça, c'est là où... Ok, ça, je suis full munition. Si j'ai full munition, autant s'en servir. Alors, ok. Donc ça, c'est le C4. Mission accomplished with extreme prejudice. M'en doutais qu'il y aurait une cinématique. Pardon, une cinématique. Ah bah bien sûr, sinon ce serait pas marrant. Ah non, c'est un raccourci. Oh merci. Ok. En gros, va falloir rush. Yeah.
Ok. And I've become public enemy number one in the eyes of yet another community. Must be my charming personality at work. Problème. Je ne sais absolument pas où je suis. Ça ressemble à la factory. Il y a une sauvegarde auto, hein. J'ai pas besoin de re-sauvegarder. Ok. Tayo, Tayo, Tayo! Ferme ta gueule, répondit l'écho. Ok. Je crois qu'on reconnaît un petit peu où c'est. Non, c'était pas là. Non, c'est... j'en sais rien. Apparemment, ça a l'air d'être une autre entrée du complexe... Enfin, excusez-moi. Voilà, je suis de retour juste à temps à la fin du chargement. Ok, cimetière, ok. Est-ce que j'ai une idée de où je suis? Oh, cool! Ok. Ah, ça m'a épargné une grosse partie du chemin, ce truc. Ça m'a épargné une grosse partie du chemin. Oui, je l'ai mal prononcé pour mes coups. On est d'accord. Bon, est-ce qu'il y a du matériel de survie là-dedans? J'ai une pipe à crack. Mais ça m'ennuierait de m'en servir parce que le problème c'est que on est accro. Ouais, cool. Le petit gilet. Petit gilet pare-balles qui va bien. Ah, c'est ça que je voulais. Merci beaucoup. Et je termine le travail quitte à faire. Sinon le travail il est pas fait là. Non. On le déclenche. Mec de running aussi sort ça. Ok. Bon, on est là. Bon, on va passer par... on va passer par running aussi. Attendez, je regarde la route exacte. On va passer à gauche puis à droite. Hein. Ce sera plus simple. Heureusement que j'ai trouvé le gilet pare-balles militaire. Hein. Bon, ici, la police est en partie présente, alors ça devrait y aller. Je me suis planté de route.
Ok. On commence vraiment à se mettre tout le monde à dos. Là, clairement. Je pense qu'on va pas avoir le choix et devoir être armé en permanence. Tant pis pour les coups. Ça fait que du monde en plus qui nous en veut. C'est pas dramatique. De toute façon, maintenant, on a des ennemis partout, alors. On a vraiment beaucoup trop de monde. Je pense qu'en fait il faudrait que j'augmente la quantité de flics présents. Ça me garantit une précision. J'avais diminué comme pour le premier hein, le nombre de flics dans la zone autour du joueur à 9. C'était pour éviter d'être en permanence recherché, enfin voilà quoi, mais. J'ai 10 chats quand même, ce serait bien d'aller les vendre. Alors, je sais pas si on est le dernier jour du jeu. Ah oui, bah oui, j'ai pas réagi, mais oui, l'herbe, évidemment, on va la trouver chez l'ancienne demeure de Oncle Dev. Oh, j'espère qu'il y a encore Oncle Dev. Oncle Dev! Toi, t'es trop con. Court, quoi. C'est quoi cette Garia? Et là ça devient vraiment chaud quand même. Allez, chez Oncle Dev.